Dans le pays sartois, à une quarantaine de minutes de voiture au sud du Mans, se trouve une forêt. Elle trône fièrement au milieu des paysages campagnards. Elle attire le regard vers elle. La masse impressionnante du massif, les hauts et majestueux chênes qui se dressent fièrement sur les collines au-dessus des villages, semblent défier les hommes. Le promeneur n'aura de cesse de s'émerveiller face à telle splendeur, chef-d'œuvre de la nature et des hommes. Pas un n'aurait l'audace de négliger des arbres tricentenaires. Au détour d'un chemin creux, auprès d'une source mystérieuse, dont peu ont eu vent, au tréfonds des bois, nous vous attendons. C'est une invitation au voyage que nous vous proposons à présent, une invitation à plonger au cœur d'une nature sensible et fragile, une aventure dans l'une des plus belles forêts de France, la forêt de Bercy. La forêt de Bercé n'a pas toujours été comme nous la connaissons aujourd'hui. Les relations entre les hommes et les forêts ont évolué. Il y a 4000 ans de cela, ces derniers s'établissent le long des rivières et défrichent les plaines et les vallées. Leur but était de faire place nette pour implanter des cultures et se fournir en bois de construction. Cette conquête de l'homme sur la forêt s'arrête pourtant sur les hauteurs de plateaux où les terres moins fertiles ne les intéressent pas. La forêt a cependant subi à certains endroits des défrichements, puisque l'on remarque de nombreuses mares forestières anciennes servant à irriguer les cultures. Il y a 2000 ans, la France d'aujourd'hui était appelée par Jules César la Gaule chevelue, en raison des très grandes forêts qui la recouvraient. La forêt de Bercé était à cette époque une grande forêt. Elle était appelée forêt des Carnutes par les Romains, en référence au peuple des Carnutes qui habitait la région. Les Romains craignaient notamment de traverser ce territoire sombre et hostile qui s'étendait alors jusqu'à la forêt d'Orléans. Dans ces temps lointains, les gens ne trouvant dans la forêt que peu d'intérêt, ils se fournissaient en bois dans les lisières, mais les profondeurs de la forêt restaient délaissées. Les Romains étaient très présents autour de la forêt. Ils construisaient entre autres des camps dont on peut encore facilement distinguer les vestiges. L'un des sites les plus imposants est le camp des Sermaises, proche de Saint-Vincent de Loiret, où l'on peut encore voir les buttes de terre qui délimitaient l'enceinte. Ces déformations de terrain forment des vestiges d'un temps perdu dans lequel les hommes devaient se protéger derrière des palissades et des murs, des envahisseurs et des ennemis. D'autres vestiges plus anciens encore se trouvent autour de Bercé, sous forme de buttes de terre que l'on appelle tumuli. Ce sont des tombes de personnes importantes, des chefs de tribus pour la plupart du temps. Bien après, au Moyen Âge, le seigneur d'un bourg donnait aux paysans des terres qu'ils cultivaient ensuite. Ces parcelles primitives étaient délimitées par un réseau de fossés appelé enclos. On peut encore distinguer ces curieux fossés aujourd'hui qui semblent fuir vers l'horizon. Ces enclos servaient aussi bien à parquer le bétail qu'à délimiter les parcelles. Des vestiges de cette époque où la forêt était une terre nourricière, il nous en reste malheureusement plus beaucoup. Pourtant, si l'on prend le temps de s'arrêter et d'observer les morphologies du terrain, l'on peut constater de curieuses formes. Le sol forestier n'est pas plat. Des trous très larges ont été creusés, bien qu'ils ne soient que peu profonds. On s'imagine qu'ils ne datent pas d'hier, à la simple vue de leur état d'érosion. Ces trous sont des carrières d'extraction de minerais de fer, des mines antiques à ciel ouvert. À l'époque des Gaulois, jusqu'au Moyen Âge, ce minerai était purifié grâce aux fours qui utilisaient le charbon de bois de la forêt. Ces fours produisaient des déchets ferrugineux nommés scories, que l'on retrouve encore régulièrement éparpillés autour d'anciens fours. Ces zones sont des ferrières. À cette époque, la région était puissante grâce à cette richesse qui a pu s'exporter dans tout le royaume. Non loin de là, d'autres curiosités surgissent dans le sous-bois. Des lignes qui s'échappent, ces sortes de fossés, ce n'est autre que des chemins creux. La légende dit
qu'ils se sont creusés par le passage répété des marcheurs qui l'ont emprunté il y a des siècles. La forêt de Bercé au Moyen Âge, c'est surtout une forêt royale. À cette époque, elle appartient au comte d'Anjou, puis au roi de France, et pour une période aux Anglais. La forêt de Bercé a été à plusieurs reprises la propriété des seigneurs aux alentours, qui logeaient dans les manoirs et logis tels que le lieu-dit les Clos. Probablement un ancien manoir local situé à moins de 100 mètres de la forêt. Lorsque Bercé revient au royaume de France, après avoir connu une période anglaise, elle connaît encore des droits d'usage, c'est-à-dire que les gens peuvent payer pour prélever du bois en forêt. Si l'impôt n'est pas payé, il s'expose à de lourdes amendes. Au XVIIe siècle, la France est en guerre et Louis XIV, le roi Soleil, donne l'ordre de faire de la forêt de Bercé une forêt destinée à la production de bois de marine, c'est-à-dire d'arbres destinés à la construction de bateaux de guerre. Le roi veut une marine puissante. Les bois de Bercé ne seront finalement que très peu utilisés pour construire ces précieux navires. En effet, les arbres ayant poussé en plus de 200 ans, lorsque les arbres furent prêts, le temps des navires en bois était déjà révolu. En 1723, la forêt royale de Bercé s'agrandit de 1200 hectares. C'est un peu moins que la moitié de la surface de la ville d'Écommois. Ainsi, les landes de Gramont, au nord et la partie sud-est, est rattachée sous décret du roi. Dans ces zones, où les sols sont très peu fertiles, ne seront plantés que des chênes, mais ceux-ci ne pousseront finalement jamais du fait de la pauvreté de la terre. Depuis ce temps, on y plante des résineux qui se satisfont très bien de ces sols sableux et ingrats. À cette époque, la forêt fait peur. On ne la fréquente qu'en veillant à rester proche de la lisière. On évite d'y pénétrer trop souvent, on la contourne. Les brigands y détroussaient les rares voyageurs qui osaient la traverser et d'odieux méfaits y étaient commis. C'était également l'époque des loups et on pouvait difficilement se repérer dans cette grande étendue boisée. Un voyageur du XVIIIe siècle dira même que c'est un lieu sombre et véritablement effrayant où vivent des esprits damnés qui s'emparent des pauvres humains. En 1783, on ordonne la construction de routes forestières, dont le tracé est dessiné en ligne droite, convergeant de multiples carrefours en étoiles appelées ronds. Chaque rond a son propre nom. C'est ainsi que sont baptisés le rond de Bercé, le rond de la Lune, le rond des Forges et bien d'autres. Les rois voient en ces travaux un intérêt pour la sécurité de ces territoires hostiles et pour l'orientation de la circulation de ces voitures sur les axes royaux. Partout en forêt, jusqu'en 1843, les travailleurs s'activent pour terrasser et extraire le remblai nécessaire à la construction des routes empierrées. Aujourd'hui, ces mêmes routes sont recouvertes de ce bitume rose si caractéristique à Bercé. Très vite après l'instauration de ces nouvelles voies de communication, les vieux chemins creux disparaissent petit à petit. Bercé, plus que de l'histoire, c'est aussi des légendes. Les forêts ont toujours été sujettes aux histoires étranges, aux anecdotes et aux légendes. À Bercé, un lieu étrange existe, dissimulé des yeux des non-avertis. Il se présente sous la forme d'une profonde cavité. Cette grotte n'est pas naturelle. Les anciens disent que c'est l'entrée dérobée d'un souterrain qui reliait jadis les châteaux des alentours entre eux. D'autres disent que dans ces galeries vivait un ermite. Le vieil homme était en fait le gardien d'un précieux trésor qu'il dissimulait dans une grande salle au plus profond de la cavité. Selon la légende, ce trésor se présentait sous la forme d'un veau d'or. Cependant, il n'a jamais été trouvé par les nombreux chasseurs de trésors qui le convoitaient avidement. Depuis, le souterrain s'est éboulé à deux reprises. La première fois durant le percement de la ligne forestière de la Jument Blanche en 1782, et la seconde fois lorsqu'un résistant y fit exploser une grenade durant la Seconde Guerre mondiale afin de dissimuler les preuves de sa venue. Personne ne saura-t-il jamais si ce trésor a réellement existé un jour? Il est pourtant permis d'y croire. Dans ce cas, c'est qu'il doit encore y être.
La forêt aussi est surtout un but de production, et ce depuis tout temps. À l'époque de Colbert, sous Louis XIV, les arbres étaient utilisés pour le bois de marine. Le tronc de ces arbres servait à construire des navires de guerre. La production de ces bois de marine était confiée aux maîtrises des eaux et forêts, les forestiers de l'ancien temps. Aujourd'hui, les forêts publiques comme Bercé sont gérées par l'Office national des forêts. La forêt de Bercé est une référence dans le monde entier pour la qualité de ses chênes. Aujourd'hui, ils sont principalement utilisés pour la fabrication de tonneaux qui serviront à faire vieillir le vin. Un certain nombre de chênes particulièrement beaux ont même été baptisés, tout comme le plus célèbre d'entre eux, le chêne Bop, d'une hauteur de 47 mètres et avec une rectitude et une hauteur sous branche impressionnante. D'autres chênes, tout aussi remarquables, sont identifiés comme le chêne Rouleau, le chêne Muriel ou encore le chêne Sermaise. Plus récemment, on a identifié des chênes atteignant même la hauteur folle de 50 mètres, au niveau de l'Hermitière. Cependant, la particularité incontournable de Bercé reste inévitablement la célèbre futaie des Clos, considérée comme le plus bel ensemble d'arbres d'Europe. Cette parcelle de moins de 10 hectares, qui fut préservée de la coupe rase réglementaire de 1911, du fait de Sa Majesté. Elle contient en effet les plus beaux arbres de la forêt qui atteignent désormais l'âge record de 350 ans environ. Les chênes de Bercé poussent extrêmement lentement. Chaque année, les arbres produisent une couche de bois extrêmement fine. Ces accroissements annuels fins sont appelés les cernes. Ce sont ces fameux cernes qui ont fait des bois de Bercé des bois très réputés pour la fabrication de tonneaux. Gérer la forêt, c'est produire du bois tout en veillant à ne pas dégrader l'environnement. Faire pousser les arbres prend du temps, et faire pousser un chêne prend entre 180 et 200 ans à Bercé. Une vie d'homme ne suffit donc pas à les voir grandir jusqu'à maturité. La forêt de Bercé est gérée en futaie régulière. Cela signifie que les arbres ont tous le même âge sur une même surface. Les arbres, quand ils poussent, passent par différentes étapes de vie qui ont un nom précis. Au départ, on parle de semis. Les petites pousses émergent de terre. Ensuite, lorsque les petits chênes dépassent 1 à 2 mètres de hauteur, un tracteur broie les allées pour pouvoir circuler entre les arbres et pour que les forestiers puissent s'occuper facilement de ces derniers. C'est ainsi que la forêt passe successivement par l'étape du golis, du perchis, de la jeune futaie et pour finir, de la futaie adulte. Durant les premières années de la vie des arbres, on réalise des éclaircies qui consistent à couper les arbres les moins beaux pour donner plus de lumière et de place aux arbres les plus droits. À Bercé, la forêt est renouvelée naturellement, ce qui veut dire que les anciens arbres produisent des graines qui, une fois tombées au sol, produiront les générations d'arbres suivantes. Quand les arbres ont atteint 180 ans, ils ne grossissent plus beaucoup et commencent à perdre de leur éclat. C'est aussi à ce moment qu'ils détiennent le plus de valeur. Les forestiers font donc le choix de récolter certains arbres afin d'en vendre le précieux bois. Le peuplement forestier subira des coupes au moins 3 fois durant sa vie. Ainsi, environ un tiers des arbres seront récoltés à chaque passage. Cette méthode donne le temps au développement des petits arbres sur les grands chênes. Il est donc courant de voir en forêt des endroits où l'on trouve des grands arbres très écartés les uns des autres, sous lesquels des petits arbres de moins de 1 mètre de hauteur prolifèrent. Les coupes d'arbres sont réalisées par des bûcherons, puis les troncs d'arbres coupés sont déplacés par d'imposantes machines équipées de pinces appelées les débusqueurs. Le promeneur attentif, en forêt, aura sans doute remarqué que certains arbres sont affublés de marques colorées sur le tronc. En réalité, ce sont des peintures appliquées par les forestiers eux-mêmes afin de différencier les arbres. Un cercle tracé autour du tronc signifie que l'arbre est de belle facture et qu'il est choisi pour pousser le plus longtemps possible. En revanche, un trait oblique indique que l'arbre devra être abattu durant la prochaine éclaircie. La forêt de Bercé, c'est aussi un refuge pour une grande diversité d'animaux. En effet, les hommes veulent préserver la nature et les petites bêtes,
comme les grandes, qui habitent dans les sous-bois et qui sont pour certaines protégées. Les forestiers se doivent également d'être les défenseurs de la faune. La faune, c'est toutes les espèces animales que l'on retrouve en forêt et qui sont nécessaires à sa survie. Les animaux sauvages, qu'ils soient de grands mammifères comme le cerf, ou bien de tout petits insectes comme les coléoptères, forment des rouages de la mécanique forestière. Si l'on enlève le moindre petit animal, la forêt ne fonctionne plus comme avant. Tous sont importants et jouent un rôle bien précis. Depuis l'Antiquité, l'homme ne se prive pas d'exterminer les loups et les ours, qui terrorisaient les hommes. Toutefois, ces grands prédateurs étaient indispensables en forêt. C'étaient eux les chasseurs à cette époque. Grâce à leur grand appétit, les mammifères ne pullulaient pas et leur nombre ne posait pas de soucis à la forêt. Depuis la disparition totale de ces animaux au XIXe siècle, l'homme est obligé de jouer aux prédateurs. Ainsi, chaque année, on ordonne la chasse aux cerfs, aux biches, aux chevreuils et aux sangliers pour que leur nombre reste stable. Si le nombre d'animaux sauvages augmente de trop, la forêt se trouve en danger. En effet, le gibier trouve sa nourriture tant bien dans les herbes et fougères que dans l'écorce des arbres et leurs jeunes branches. Si les animaux se mettent à manger les petits semis de chêne, et ce de plus en plus fréquemment, la survie des arbres est remise en cause. La chasse, c'est finalement plus que de chercher de quoi manger, c'est protéger la forêt. En forêt, les traces des animaux sont visibles, à qui s'est prêté attention. L'observateur averti pourra discerner dans les endroits où les arbres ont une taille inférieure à 1 mètre, certaines tiges coupées nettes ou arrachées. C'est là l'œuvre du chevreuil ou du cerf. Certains arbres sont consommés jusqu'à former des sortes de buissons, de véritables arbres bonsaï japonais. En hiver, à Bercé, tous les mardis et jeudis, se déroule la chasse à tir. Le samedi, c'est la chasse à cour qui prend le relais. Les chasseurs à tir, répartis en ligne le long des chemins, attendent le passage du gibier levé par les chiens dans la parcelle. La chasse à cour a quelque chose de plus prestigieux et de plus élégant. C'est le mode de chasse qui se rapproche le plus de la prédation naturelle du loup. En effet, les chiens guidés par les chasseurs appelés veneurs sont en meute et traquent un animal jusqu'à l'épuisement. Il arrive souvent que l'animal soit plus malin que ses poursuivants et qu'il ne soit pas pris. Le roi de la forêt est très peu visible, mais bien présent à Bercé. La nuit, il parcourt de grandes distances pour trouver sa nourriture. Il pourra donc être observé le plus facilement le soir sortant des forêts vers les campagnes solitaires. Durant l'automne, on peut entendre son cri retentissant et si particulier. Le brame du cerf est en effet une façon de communiquer avec la nature et un moyen de s'en rapprocher de manière intime. Le chevreuil est lui aussi un animal discret qui vit en groupe. Cet animal craintif est plus petit que les cervidés, mais n'est pas moins aussi beau. Bercé, c'est donc plus qu'une forêt. C'est un lieu vivant, sensible et fragile, que les hommes se doivent de respecter et de protéger. La forêt offre aujourd'hui comme hier de quoi ravir petits et grands lors d'une promenade en famille ou bien seul. Et n'oubliez pas ceci surtout. Lorsque vous aurez l'occasion de sortir en forêt, pensez à lever la tête vers le ciel. Si des synonymes de grand et de beau vous viennent à l'esprit, les arbres ne seront sans doute pas surpris.